Bonjour les amis, aujourd'hui on va déguster du steak de dromadaire. Enfin, on va essayer de manger du steak de dromadaire. On va déjà à notre petite ici. On va la remballer dans ce coin-ci, vite fait. On a qui encore qui peut venir? Je crois que oui, c'est bien elle. Viens aussi ici ma biche. Alors, j'ai deux petites choses à modifier. Ici, on n'a plus que 36 viandes. Ça veut dire que normalement, pour faire 4 plats simples, il me faut 40 viandes. C'est 10 par plat. Et donc, on va ajouter une tâche. Cuisiner un plat simple. On va la mettre en... Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux tout effacer déjà. Je veux mettre de la chair humaine et de la viande d'insecte. Voilà. Ça sera toujours à l'eau. C'est bien, il a progressé à l'eau. Hein. Il est passé à 7. Il faut qu'il arrive à 8 pour être tranquille. Et on va envoyer ça à simple animaux. Donc là, je suis à plat simple. On aurait pu également en faire du plat raffiné. Parce que là, il va m'en rester 6. Mais non, on va le faire comme ça déjà. Hein, viande d'insecte, ok. Tu vas me le faire en... Eh ben, tu vas me le faire en boucle. Parce que dans tous les cas... Il va d'abord passer par ici pour les faire. Et donc, si je n'en ai plus assez, ben, ça sera fini. Donc, je pense que ça, c'est une... Ça marchera très bien comme ça. OK. Bon, il en restera 6. C'est pas très grave. Ensuite, autre chose. Je voulais répondre à une question qui était posée au sujet de la pénoxicilline. Si vous regardez ici, la description... Vous voyez que ce médicament ne guérit pas les infections existantes, il empêche seulement les nouvelles infections, même celles qui ne sont pas encore découvertes. Alors ça peut laisser un petit peu, c'est un peu vague, je vais dire. Si vous affichez par contre ici, cela n'a pas d'effet pour ceux qui sont déjà infectés. D'ailleurs ça devrait être pour... Ouais, ok. Même si leur infection n'est pas encore déclarée. C'est encore un petit peu difficile à comprendre, mais ça veut dire simplement qu'il y a une période de latence, ce qui veut dire une période où les symptômes ne sont pas encore visibles. C'est comme là, quand un dromadaire est enceinte, il faut, je crois, c'est 9 jours ou 12 jours avant que vous ne le sachiez, avant que vous n'ayez la notification. Eh bien, c'est la même chose pour les maladies. Les maladies couvent, on ne voit pas leurs symptômes, donc vous n'êtes pas notifié que la personne est malade, mais tout d'un coup, la maladie se déclare. Eh bien, ceci, donc la pénoxycycline, vous pourriez, par exemple, en prendre, et le lendemain, le surlendemain, ou quelques jours après, être quand même infecté par la malaria, la maladie du sommeil, ou la peste. C'est parce que la maladie n'avait pas encore, les symptômes n'étaient pas encore apparus, mais la personne était déjà infectée. J'ai prévenu le traducteur, c'est fait, donc... À part quand c'est en bêta, mais prochain update du jeu, normalement, la traduction devrait être faite. Corrigée, en tout cas. Ok, vache, je t'ai remballé aussi. Qui est-ce que je peux amener d'autre? Maker, tu pourrais aussi peut-être... Ça pourrait se faire. Un petit coup de flingue, on ne sait jamais. Hein. Allez, viens là aussi. On va pas les rater, hein, c'est important. Voilà. Grizzly, tu me fais quoi, toi? Tu manges de la pâte nutritive. Tu vas d'abord faire ceci. Ah ouais, t'as faim. Ben, comme de toute façon, t'as faim. Comme de toute façon, tu as faim. Grizzly, tu vas d'abord... dépecer ça et ensuite tu iras faire ton truc. De toute façon, ça changera pas grand chose d'autre.
tant que tu restes pas trop longtemps comme ça, malheureusement, t'es déjà, tu augmentes ta quantité de nourriture qui doit être mangée, mais c'est pas très, très, très grave. Alors ici, ben ils avancent. Ils sont que trois, donc on devrait les prendre facilement. Allez, mais je viens plus par ici. Et... Ok. S'il vous plaît, merci. Et où est-ce qu'elle est? Vache. Voilà, l'autre, je crois qu'il va essayer de remonter, hein, de toute façon. Donc, voilà, libellule. T'attaques celui-ci. Maker, est-ce que tu peux déjà? Oui. Et. Vache aussi sans doute. Parfait. Ok. C'est pas la peine d'essayer normalement de les apprivoiser. Hein. Quand ils partent, vous allez courir tout le temps derrière eux. Alors, je crois pas que ça en vaille la peine. Voilà. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas chasser, ma biche. Et libellule, tu vas chasser. Voilà, comme ça, elle va pas pour rien. Et parce que sinon, comme elle ne peut pas transporter. Et voilà. Ça, c'est une chose de faite. Grizzly, normalement, tu devrais être occupé de manger. C'est bien, mon ami. D'équerre, que fais-tu, toi, mon petit? Tu vas te reposer, hein? T'as pas encore sauvé, hein, mon histoire, là. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Alors, comment on vit ici? 87%. Voilà, Allo est parti faire un peu à manger pour les animaux. Alors, je voudrais bien savoir ce que ça va me donner, ça. On peut supposer que Grizzly va y aller. Dis-moi que tu fais. Attends, hop. Ah, il n'y a rien. Donc, à 68%, même si c'est récolté, ça marche pas. À moins que tu l'aies sur toi. Non, tu ne l'as pas sur toi. Donc, 68, on oublie. Ça ne marche pas. On a perdu. Un médicament pour la science.
Bon, extérieur 31, ça pousse de nouveau, tant mieux. Alors moi j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse des pierres. Et on va demander à qui de me faire des pierres. Je vais demander à Decker. Je vais demander à Decker dès qu'il a fini. Ouais, on va demander à Decker. Travail. Ou quelqu'un qui aimerait bien faire ça en artisanat, qui ça pourrait être. Bon, on pourrait mettre Libellule. Ah oui, mais Libellule, elle est occupée de creuser normalement. Alors, qui peut me faire des pierres? C'est ici, taille les pierres. Le chauve, toi, tu dois faire ton truc. Ça, c'est qui, ça? C'est Dan, que j'ai mis en artisan, fermier artisan. Donc, logiquement, Dan va le faire. Dan va le faire. Alors, on regarde si ça va pas trop loin, hein, si on, tu vois. Faut pas aller non plus chercher des pierres un peu partout. Donc là, ça va. Ok, et Dan, tu fais quoi pour l'instant? Ah, tu as la construction. D'accord, ok. Donc on va remodifier mon ami Dan. Dan, construction. Bah, t'es 3. D'accord. Pourquoi tu fais pas des pierres? En plus, ça, je m'en fous de ce truc-là, à cet endroit-là. Bon, on va te laisser finir, de toute façon. Autant te faire gagner un petit peu plus. Voilà, et cette fois-ci, Dan. Toujours occupé. Ok. Les malules. Ok. Bam. Je ne saurais pas. Libellule, c'est parti. Ok. Ah, besoin de matériaux. Pourquoi tu as besoin de matériaux? Bloc d'ardoise, ça c'est pas d'ardoise, ça. Tiens. Alors, on recommence. De temps en temps, il vaut mieux vérifier, hein, pour être sûr de notre coup. Rayon de recherche. Ah, ça c'est un peu bizarre. Hein, parce que normalement, tu peux y passer. Mais tu n'as pas la porte, peut-être. Est-ce que la porte devrait être dans le rayon? Ce serait bien nouveau, ça. Ok, on va monter à 29 pour voir. Et maintenant, Dan. Ah ouais. Ah ben. Je ne sais pas si c'est nouveau avec le patch. Mais ça me semble bien bizarre, cette histoire que... Il faut que la porte soit prise dedans. Bon, maintenant, c'est pas l'hiver. Donc, pour l'instant, je vais laisser ces portes-ci ouvertes. Ouais, il fait encore moins chaud là que là. On peut laisser ça ouvert. Hein. Ici aussi. Et ici également. Thank you.
va d'ailleurs laisser ceci ouvert aussi. Qu'est-ce qu'on peut laisser ouvert? Ça aussi, bah oui. Comme ça, les gens peuvent travailler plus vite pour le moment. Bon, la différence ne va pas être énorme. Hein. Pas qu'ils prennent froid non plus. Hein. D'ailleurs, on va vérifier ça. 18, 17, 17. Moins 8, 16, ça va. 18, c'est parfait. 18, 19, 17, tac, tac, 16, 19. Toi, t'es toujours bon. Bien. Allez, Grizzly est parti. Il faut que je ramène aussi quelqu'un pour... donc les pierres, normalement. Ça y est, Dan est parti en fer. Ok. Dekerivache. Hop, je vois les gens qui... Oh, et je vois quelque chose là qui arrive. Grizzly, viens me récupérer ici. Ensuite, regardez comme moi, là, un petit truc qui se promène. Un petit raton laveur. Donc lui, dans tous les cas, il va venir par ici. Hein. On va le laisser monter, c'est pas la peine d'aller le prendre tout de suite, si. Prendre les libellules. On va s'en occuper. Avec l'infini. Généralement, comme ils peuvent passer par ici, tu vois que la porte est ouverte, ils viennent manger chez moi. Et donc, ils viennent directement vers le frigo. Bon, on a nos composants, mes petits-enfants. Alors, maintenant, je peux faire, enfin, des composants avancés. J'ai besoin des composants avancés pour faire les composants bioniques et pour faire les armures de reconnaissance. On va déjà commencer avec les composants bioniques, parce que j'ai besoin absolument d'un bras et d'un, au moins d'un œil. Déjà. Et après, on fera les armures de reconnaissance, qui sont extrêmement importantes pour moi, les armures, puisque je me bats énormément au corps à corps. Yes. Bon. Extérieur 40. 70%, 72%. On va tester 72%. Grizzly, viens me faire ça tout de suite, d'ailleurs. Prioriser. Non, ça ne marche pas non plus à 72%. Libellule, ma chérie, dès que tu as fini, ben, tu vas aller me faire ce petit monsieur là quelque part. Voilà, chassiguane. On a fini ce paquet-ci. Et voilà. Merci une dame. Alors, il me faut quelqu'un. On en est où dans les pots de fleurs, là? 95. On va attendre 98. 89. Ok, toi. Toi, tu vas venir. Où vais-je mettre cette petite histoire-là? Je suis intéressé de mettre cette petite histoire-là. Elle pourrait très bien venir ici dedans. Ou même ici. Sauf que non. Parce que je veux avoir ça dans ce coin-ci. On va déplacer
ceci. Ici. Et celle-ci ne m'a pas l'air. Montre-moi un peu ça. Montre-moi un peu l'énergie, s'il te plaît. Voilà, il ne veut pas la prendre. Hein. Ok. On va patienter. Alors, est-ce qu'il fait pas froid? C'est limite. Non, c'est limite, mais c'est bon. Ah, ça refroidit bien là-bas, hein? Vous vous rendez compte qu'on est le 10 septembre? Et on a réussi, on a réussi à avoir qu'une seule. Alors qu'il ne faut que 2 jours et demi normalement pour faire ça. On a vraiment eu un été très difficile. Bon, donc là je peux le laisser. Celui-ci, on va le déplacer également ici. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin. Ah oui, au fait, je voulais voir un truc. On a encore des bidules à aller chercher de ce côté-ci. Dans quel état est-ce qu'ils sont? 76. Et puis, il me semble qu'on avait aussi du loup, qui est encore à 37. On va aller chercher tout ça. Un petit aller-retour, vite fait, bien fait. Où est-ce qu'il est l'autre? Ok. Et puis on va creuser ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait quand même 10 composants. Ça en vaut la peine. Alors, Monsieur Decker, comment vous sentez-vous? Pas encore sauvé, mon ami. Pas encore sauvé. Allô, vous me faites Dan. Dan, il serait très bien. Dan, tu as quoi? Le bras gauche. Hein? T'as pas de bras gauche. Ben toi, tu vas aller te promener là-bas. Ah, c'est toi qui tailles des blocs d'ardoise. Ok. Qui est-ce? Decker. Decker. Où est-ce que c'est? Ici. Et on embarque Dan avec nous. Est-ce que tu es capable de creuser, miner? Tu peux pas miner. Ah! Elle peut pas non plus. Si, je me demande si Libellule, elle ne peut pas transporter, mais elle peut faire une... C'est une bonne question, tiens ça. Est-ce que Libellule, ne pouvant pas transporter, peut quand même faire une caravane et mettre tout dans les chameaux? Bonne question. On va tester ça tout de suite. On va tester ça tout de suite. Et on va vite le savoir. Donc, si je fais une caravane, que je prends Madame Libellule, que je prends deux dromadaires avec, que je prends une bouffe pour elle, enfin deux bouffes, quoi, plus jamais. Voilà. Et. Et disons un sac de couchage, si j'en ai encore un, parce que l'autre est tout à l'autre bout de la planète. Voilà. Choisir un trajet. Tu viens ici.
En plus, comme ça, tu m'en... Ouais, tu m'embêteras pas plus tout de suite. Je vais te mettre immédiatement en... En raffiné. Fermé. Et on fait accepter. Voilà. On va regarder à ça. Et on va regarder si elle est capable de me faire ça. La petite libellule. Alors, est-ce que tu es capable? Bon, là, tu prends les gens, les bestioles avec toi. Et ça marche. Non, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle erre. Elle erre. Elle est partie, mais elle n'a pas pris de. Elle n'a pas pris la bouffe. Ben, je crois pas. Elle n'a pas pris. Ça, c'est. Sac de couche. Elle a pu prendre le sac de couchage, mais elle n'a pas pris la bouffe. Est-ce qu'elle serait capable de prendre la bouffe? Non, ça marche pas. Ok, on oublie. Et toi? Si, t'as les plats. Ouais, ça marche. Elle a pris tout ce que je lui ai demandé. Elle a pris les plats et elle a pris les bidules. Ok. Par contre, je peux pas lui demander manuellement de le faire. Ça, c'est sûr. Ok. C'est bien. Ça, c'est intéressant, ça. Bon, Grizzly, je suis pas sûr que je voudrais que tu me fasses ça. Non, tu vas pas me faire ça pour l'instant. Non, j'ai plus besoin d'un. J'ai plus besoin que tu ailles me chercher tout ça et que pour le moment tout ça, ça va être... j'ai coupé un peu la vidéo ici. Voilà. Alors, j'ai aussi une glume ici dedans. Là, elle doit être. Ici. Voilà. On va la désinstaller. Comme ça, on a encore 10 jours de bon après. Qu'est-ce que j'ai ici comme 1750. Donc, j'ai 1600 acier. Et j'en ai là-bas. Ça me fait 1835. Ça, c'est 100 pièces. Il m'en faut une bonne vingtaine, hein, au moins 2000 pièces. Donc, il me faut encore du métal. Où est-ce que je vais encore trouver du métal, mes petits-enfants? Je sais qu'il y en a encore partout, plein partout. Il y en a là. Il y en a ici. Un peu plus proche. Voilà, donc on va devoir une petite creusette ici, hein. On peut supposer que ça va être comme ça. Un grizzly. Prends plutôt la glume d'abord. Prends plutôt la glume. Comme ça, tu auras de la lumière là-bas. Voilà. Et d'équerre, tu avais pas de manip, hein? Stop. Ok. Carvane de libellule est à court de nourriture. Mais libellule n'a pas de besoin. Regardez.
Et en plus, elle a du raffiné. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'autre? C'est bon, ça. Ensuite, on va aller dans les restrictions et je vais mettre tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra aller me chercher ce qu'il y a besoin là-bas. Libellule a une frénésie de travail, les enfants. C'est bien. Animaux affamés. C'est où ça? Dromadaire 3. Il me reste plus que 6 petites viandes là. Bien sûr, il n'y a pas que les animaux qui vont être affamés ici, hein, dans cette partie. Nous avons également 96%. Ok, ça va y être. Bon, attends, 98, ici, prêt à récolter. Donc, logiquement, Grizzly, tu me fais quoi? Tu manges et puis tu récoltes. Enfin, tu manges, tu récoltes, façon de parler. Alors, ma caravane est arrivée. Montre-moi ça, ma biche. Voilà, ok. Donc, j'ai mis tout ça ici. Il faut que je... d'abord, je veux pas que mes animaux aillent se promener n'importe où. Donc, zone, étendre une zone autorisée. Animaux, vous allez venir ici. Et puis, ici aussi, et ici. Je crois que c'est tout ce qu'on devait prendre. Hein? Ok, Libellule. Je veux que tu me fasses quoi? Tu es en pleine santé, tu vas me creuser tout ça. Et les animaux, ils vont dans animaux, bien sûr. Tu n'auras pas le temps de dormir, ma chérie. Tu vas voir qu'on va s'occuper de toi. Vite fait, bien fait. Elle est à 8 maintenant, elle est passée le cap, elle est à 100% de rendement de toute façon. Et encore un petit coup ici. Hop, encore un petit coup ici ma chérie. Stop. Ensuite, on augmente la taille de ceci. Et normalement, tout devrait être ici. Tout devrait être bon. Hein? Je ne crois pas que j'ai encore quelque chose d'autre qui traîne. Non, ok. Donc, logiquement, monde, caravane, articles, composants, laine de bison, débris d'acier. Non, j'ai pas les composants, pas les composants, le loup. Loup y es-tu? Loup y es-tu? Là-bas. Voilà. Également, je pense que toi, je vais te vider.
je vais te vider. Et toi, pas rien avec toi. Donc je crois que les animaux, ils ont bouffé mes bidules. Pas grave. Assignation, je vais quand même lui donner de la pâte. Et nous allons également rajouter une zone de stockage ici. Je pense que tout est OK. Pour votre voyage, mademoiselle. Allez, on est reparti. Former une caravane, articles. Oui. 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 Un gravage, j'ai pas besoin. Les débris, on est toujours parfait. ...74 kilos, on peut prendre, ça me servira à rien. Bon, ça me ferait un petit peu de granit, mais je sais pas très bien ce que je vais faire avec, donc on va l'oublier. On va d'abord faire annuler, on va aller rechercher un petit peu plus d'acier qui doit traîner dans le coin, voilà. Là j'ai de l'acier, est-ce que j'ai autre part de l'acier Non, je crois pas. Et après, ça va me faire un détour. Ça va me faire un détour. Non, 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 on se tire. On se tire, mademoiselle Libellule, on se tire. Ou alors, on fait le coup du crayon. Le coup du crayon, on se taille. Ah, ah, ah. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça va extrêmement vite. Il n'y a pas besoin de creuser à travers la montagne. Faire un passage ne sert pas à grand chose. Alors. Ici, avant que je n'ai une coupure de courant, un zit, on va réinstaller ça ici. Donc, on creuse ici une porte, un interrupteur, une batterie, deux batteries, trois batteries, quatre batteries, on est parfait. On y va. Et on replante, c'est bien, on coupe, on fait tout ce qu'il faut. Riz, t'es où? Parfait. Ça, ça a combien maintenant? 76. On sait qu'à 80, on était bon. On va encore tester un petit coup ici. Pour voir si on peut le faire à 76 ou peut-être plus. Oui, 76. Donc logiquement 75 c'est bon, hein. Donc on peut supposer que 75 ou que c'est 76. Donc on va dire 76, mon ami, vous récoltez ceci. Yes. Donc là il y a un sacré boulot. 76, c'est parti mon kiki. Alors, il va falloir construire des tas de petits bidules comme ça. Ah. Voilà, caravane de Libellule est revenue. On va plutôt l'installer ici, ce truc. Libellule, ma chérie. Ah non, elle s'est formée. Montre-moi un peu ce que tu as avec toi, Libellule. Objet, composants, laine, fourrure, sac de couchage. C'est génial, ça a marché, hein. Je suis très content. Même si on ne peut pas transporter, on peut transporter quand on est en
En voyage, ça marche du tonnerre, les petits gars. Ça marche du tonnerre. Ok, on a maintenant plein de riz. Donc, ça. Hop, pardon. Ça va aller, quoi. Souris. Allez, hop, voilà. Je ne veux plus de lait. Je veux. Je vais d'abord bouffer les patates. Voilà. Donc ça c'est fait. Je pense que Decker a besoin de se soigner. Condition needs. Ok. Après, tu viendras vite ici. Et Vache ira te réparer, mon petit. Ok, Vache. Dès que tu as terminé, tu viens soigner Decker, s'il te plaît. Allez, ma biche, pêche-toi, voilà. Tu dois me faire mieux que 18? Ah, 31%, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ma chérie. C'est fini! Oh. Bon, on va espérer que. Tu vas pas t'en reprendre une que la peste, normalement, tu ne peux plus l'avoir. Logiquement, tu ne peux plus avoir la peste. Grizzly. Bédite à caravane à Nexus parallèle. Ok. Ah ouais, je me doute que tu es parti bouffer de la pâte nutritive. Restriction, c'est fait. D'ailleurs, tu vas revenir en truc normal. J'avais oublié ça. Animaux. Abattoir. Abattoir. T'es parti, mon kiki. N'y a plus de bestioles, là, hein, je ne crois pas. Hein, une capsule de cargo. Oh, elle est ici. Ben, on va pas se plaindre, c'est mais t'es pas, on m'a déjà vu plus généreux que ça. Hein. Par exemple, je n'ai encore jamais eu, depuis 2 ans, je n'ai jamais eu de débris de vaisseau, je vous signale. Et les débris de vaisseau, ça vous donne 8 composants et 2 composants avancés. Ça serait quand même plus du métal, hein, bien sûr. Hein. Eh bien, je n'en ai encore jamais eu une seule fois. Voilà, Decker est parti faire son petit bidule, là, c'est bien. Là, on n'aura pas besoin de mettre de courant. Hein. On va également peut-être vérifier les zones de la base. Donc ça, c'est toujours parfait. Là-bas, je vais l'enlever. Elle sert à rien, cette base-là. Ok. Il faudra peut-être que j'en mette une aussi sur ces trucs-là. Voilà. Au niveau de la bouffe, bon ben, ils sont occupés de finir le lait. Moins 8. Moins 8. 15. Et ici, il fait 17. 18, c'est bien. Ici, dans le coin. 17. 18. 18, c'est bon. 17 et 17. Sauvetage d'un réfugié. Alors, qui m'aide d'abord? Pas d'informateur. Une bûcheronne. Donc, c'est une fermière, ça.
Une bûcheronne devrait avoir beaucoup de... pour les plantes, ce qui serait bien pour moi. 51 ans. Je n'arrive déjà pas à caser Libellule. Alors, les indigènes à sa trousse, c'est aucun problème. Mais 51 ans, disons que ça m'embête un petit peu, chat. 51 ans. Ouais, ils n'arrivent pas à avoir Libellule, quoi. Sinon, ça serait bien, ça, j'ai aucun problème avec ces gens-là. Aucun problème avec ces gens-là. C'est des mecs à distance, et moi, les mecs à distance, ils me font pas peur du tout. Je suis plus embêté par les mecs à l'inverse, en corps à corps. Je refuse. Je refuse. Note que c'est une tribu, mais 51 ans, hein, c'est. Et en plus, je suis pas sûr, elle a peut-être une saloperie, comme trait. Allez, hop, button. Ok, donc ça, on a fait. Elle dort, ok. Grizzly plante. Ça, c'est fait, donc c'est planté, tout ça. Ouais, racine de vie. On va. Qu'on a encore un peu le temps. Libellule, je t'ai mise dehors. Donc, normalement, je pense que Libellule va pouvoir venir ici. L'agrume, elle est où? La glume, pardon. On va avoir une glume encore ici quelque part. Je la vois pas. Est-ce que je l'ai laissée ici en bas? Effectivement, elle est ici. On va aller l'installer ici. Ah, excusez-moi. Installer ça ici. Et je pense que ce sera Libellule qui ira me faire ça après. Elle a plus de plaisir, la petite. Becker me fait bien ça. Profites-en pour nettoyer un petit coup ici, mon petit. Ça, tu peux pas, non. Ouais, si tu peux, hein, tu vois. C'est toi qui es parti là-bas. Donc normalement, tu es à 100% en manipulation. Et tu devrais avoir logiquement le minage à Grizzly, Libellule, Allo, Becker, 95%. Donc pour le moment, je n'ai pas fort envie que tu viennes miner, mon ami. Donc, on va changer les métiers. Becker, je t'enlève de mineur. Je ne veux plus que tu sois mineur. Je te passe en 3. Ensuite, j'ai vu qu'il y en avait un autre, Dan. Ça, c'est d'équerre. Je veux Libellule et Grizzly. Et Allo, pardon, t'es en 3 aussi. Donc, comme ça, vous aurez l'autre truc à faire. Dan, tu vas pouvoir aussi faire ça. Et ça, ok, tout est bon. Donc, d'équerre. D'équerre est revenu parmi nous, les enfants. Enfin! Est-ce que t'as une arme au fait? T'as pas d'arme, Decker? Tu n'as pas d'arme, mon ami.
Déjà, t'es où? Ah, t'es porté, ça c'est bon. Et puis tu vas te prendre une arme, mon petit Decker. Qu'est-ce que tu peux te prendre comme arme? Toujours avoir quelque chose sur soi. Hein. Ça? Masse en métal, non. Masse en uranium. Voilà. Bah, tu peux aller décharger dromadaire, ok. Grizzly, après tu vas me transporter ça, s'il te plaît. Il y en a un qui va aller me nettoyer tout ça parce que Dan. Ah, c'est un peu crade ici, hein? Non? Ouais, hein? On va demander à Halo de me nettoyer un peu ça. Ah ben, il y a déjà Dan qui devrait le faire. Ah, mais comme tu tailles, c'est vrai que. Ça, il faut que j'attende. Et Libellule est partie creuser. Allez, juste pour plaisir, quoi. Hein, comme ça, l'autre aura quelque chose à ramener avec lui. Celui qui est parti chercher la glume. Et comme ça, je verrai où je peux aller. Ah, trop tard. Allez, ok. Donc ça c'est quoi? C'est de l'ardoise. Ah, elle va manger, pauvre libellule, va. Bon, alors on a fini ceci. On va donc le poser. Un ici, un deuxième ici, j'en ai deux et un troisième on va la mettre ici. Ensuite on va creux, on va bloum bloum énergie, un petit interrupteur qu'on va positionner ici. Même si ça coûte du fric. Ensuite, on va également continuer tout ce qu'on a à faire ici. Et dans ce coin-ci. Est-ce que vous pouvez encore en mettre par ici? Non. Et par ici non plus. On va devoir encore aplanir tout de ce côté-ci. Et comme ça, on va finir le tour. Hein. Voilà. Pas mal. C'est suffisant. Tiens, qui voilà. On va smoke leaf 4, je vois smoke leaf 1,
Ça devrait passer, on devrait pouvoir en faire deux. Alors, par contre, les animaux, ils doivent crever de faim, effectivement. Vous autres, vous avez quoi avec vous? Ah. Bon, bah, on va tout descendre. Ils doivent avoir faim, mes animaux. Non, ça. Ça a l'air d'aller. Oui, je dois quand même vérifier que mon bébé, mon dromadaire juvénile. On peut rajouter un truc, tiens, pour les animaux. Ici. Voilà, j'ai l'âge qui est ici, mais je peux ajouter également le nombre de. Je crois que c'est le temps comme colon. Vous ajoutez ça. On va le positionner ici. Voilà. Donc, le dromadaire juvénile, pour le moment, a déjà passé 26 jours dans la colonie. Il est toujours juvénile. Comme ça, on sait le nombre de jours qu'il faudra avant qu'il devienne. Donc, on aura le nombre de rations et le nombre de jours qu'il faut pour qu'il devienne adulte. Ok, on continue. Ça, j'enlève. Extérieur 47. Donc, allô? T'es occupé de faire de la bouffe pour les autres. Moi, j'ai plus rien dans mon truc là. Normalement, il va y en avoir. Donc, dans le réservoir, je veux des patates. Et j'en ai que 37. Donc, il vaut peut-être mieux. Non, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts, les patates. On va plutôt changer. Oh, que c'est crâne. On va plutôt mettre du riz. Voilà. Et on va demander à Dan de foncer ici dessus vite fait. Et puis il faudra aussi que tu nettoies un peu. Bon, ben ça va. Faire une fête. C'est Dan qui fait la fête. Bon, mais ça va. Cœur libellule. Vache et allô. La fête est finie. On va faire nettoyer. Je voudrais que ça soit un peu plus propre. Monsieur allô. C'est vous qui allez faire ça. Voilà, pour le moment, il n'y a que ça à ramasser, donc ça ne gêne pas. Ah, on voulait regarder un petit peu le. La laine de bison, on va un peu regarder ici. Becker, t'as pas à manger ça, toi. Je voudrais que tu arrêtes de manger le raffiné.
manger la pâte. Donc, il n'y a plus besoin. Tu es revenu en bonne santé. Donc, comme je disais, ça drague de tous les côtés, mes gonzesses, elles veulent pas coucher. Elles veulent pas coucher. Allez, mesdemoiselles, vous faites vos cougars et puis après, quand on vous fait la proposition, allez, va te faire voir. Je voulais juste te chauffer un petit peu, quoi. Ah, ça y est, il est parti nettoyer. Il y avait besoin. Ok. Maintenant, on ferme ceci. Ça veut dire qu'on a trois belles batteries qui sont disponibles pour l'instant. Et là, j'en suis très content. Dès que nos petits bonshommes auront été chercher tout ça, que notre chère libellule aura creusé tout le reste ici, libellule ou grizzly, bien entendu, ça, on a des médocs. Ouais, ici j'ai peut-être oublié aussi. On les a déjà récoltés? Non, ouais, on les a récoltés. 80, donc on va les laisser faire. Ça, du moment qu'on le démarre pour l'hiver, ça ira. Hein. On n'est pas hyper pressé pour faire ça maintenant. Voilà, normalement, je crois que ça chauffe un peu, ça. On va pas le laisser dans une pièce trop fermée. On va laisser ouvert, c'est juste une... Comme c'est pas joli, je crois que ce n'est pas joli, ça. Tu vois, c'est du moins 16. Et donc, avoir une porte, là, c'est quand même plus intelligent. Donc, on va faire une petite porte. Voilà, construire une copie, parfait. Celle-ci, elle va la laisser ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Inanition. Maker. Il n'y a plus rien à bouffer. Ça va venir. 1% près, il est 16h, ça va encore pousser. Voilà, Grizzly est parti, je suppose. Non. Prêt à récolter, ça y est, à avoir à manger les petits gars. Ouh, Grizzly, tu n'as pas l'air en bonne. Bon, ça va, ça remonte. Il est parti.
Alors, est-ce qu'il fait clair? 42%. Partie bouffée, bien entendu. Parce qu'il y a tout le monde qui t'attend. C'est toi qui as réservé le job. On ne devrait pas pouvoir réserver des jobs de si loin, je trouve. Hein? Là, ça le fout un peu mal, quoi. Ah oui, en plus, il ne voit pas grand-chose hein, de là-bas. Mais on avance, mes enfants. On avance, on avance, on avance. Composant bionique. Yes, stop. Alors, une fois qu'on a fait des composants bioniques, on fait ça. Moi, je n'ai pas besoin des armes chargées. Je n'ai rien besoin de tous ces trucs-là. Juste, normalement, l'arme, le fusil de précision. Mais bon, pour le moment, j'ai pas trop de choix à faire ça. On va en rajouter encore un petit ici. On les fait petit à petit. On vérifie notre zone. Intramuros. Et on supprime tout ça. Et on supprime dans la zone tout. Tout ça aussi. Voilà. Alors, Maker, tu me faisais ça. Maintenant, tu vas me faire des composants avancés. Ensuite, tu vas me faire ça en boucle. Tout travailleur, et tu vas me faire ça en boucle. Ensuite, on va remonter ça. Donc, je veux d'abord le composant avancé. Ensuite, je veux maintenant le premier que je veux, c'est un bras bionique. Ça, c'est le premier truc que je veux. Ensuite, donc n'importe qui peut faire ça. Ensuite, je veux, après un bras bionique, je veux un œil bionique. Minimum. L'œil bionique. Voilà. Donc comme ça, il va faire ça. Il voit pas de composants avancés. Hop, il passe ici. Une fois qu'il a assez de composants avancés, il reviendra au bras ionique. Ensuite, il fera ça. Il n'y a pas assez. Il reviendra ici. Et vice. Et puis comme ça, comme ça, comme ça. Quatre composants avancés. Vous voyez que c'est cher, hein? Et quatre composants avancés. Mais bon, on en a besoin. Hein? Un bras en moins, un œil en moins, c'est... C'est un petit peu trop costaud pour moi, ça. Ah. Ok, je crois qu'il commence à faire propre. Assez propre. 17 degrés et 17 degrés. Ça, ça va, 16, 17, c'est bon. C'est parfait, mes petits enfants. Sauf qu'il n'y a plus à bouffer de nouveau. Hein? Bon, on va... mettre un au riz et un aux patates.
J'ai vraiment du mal hein, cette année-ci. Alors qu'on avait un super. On avait beaucoup plus que l'année passée au niveau de la bouffe. Bah maintenant, la température est idéale pour que ça pousse rapidement, ça c'est sûr. Allez, Balul, je suppose que t'es parti faire quoi? Ouais, fais-moi vite ça d'abord. Ok, et ici, je veux que vous me mettiez. Effacer, je veux que vous mettiez de la pomme de terre ici. Voilà. Il va y en avoir bientôt, hein. Pas sûr. Bon, on va d'abord mettre du lait alors. On va pas les laisser crever de ça, sinon ils sont obligés de bouffer plus. Becker, viens me remplir ça, mon ami. Vite fait. Ici, j'ai quelqu'un, je crois. Allez, on continue. Ordre, miner. Tu vas où, libellule? T'as faim? Finis-moi ça d'abord. Parce que 25% ma biche. Ah, il était déjà à 25%. Mais c'est pas grave. T'as suffisamment bon milieu. Ok, on te laisse aller. Okay, on a encore 600. Ça, ils verront plus clair, ça ira un peu plus vite. Ah, j'ai du riz, j'ai de la patate, ça je veux plus.
tellement important de mettre de la lumière avec vous quand vous allez creuser. Bon, l'idéal, c'est que si vous êtes avec des plats simples ou des plats raffinés, bon, parce qu'ici, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas le biome pour, hein, mais si, une fois que vous avez pu faire vos plats, ben, la personne n'a plus besoin de revenir si vous avez pris avec vous une table, une chaise, et elle prend toujours de la nourriture avec elle, donc... Et ça, c'est aussi intéressant. Donc ça, c'est un bon truc à prendre. Posez une table, une chaise, quand vous voyez qu'il y a beaucoup à creuser. Comme ça, vous avez la paix. Hein. La personne reste sur place, ne vous embête plus. Voilà. Alors, on arrive presque au bout, là. Hein. Parce qu'ici, il y a un toit, hein. Faut pas rêver, hein. Vous voyez bien. Donc il ferait sombre hein, autrement et vous perdez 20% de vitesse. Bon, là, ils font leur petit job. On a du bois sans problème. On a maintenant à manger, enfin. On est occupé à faire quoi? En avancer, je suppose. Ouais. Ah, il faut du temps, hein, quand même. Si je te garde, ma chérie. Mais encore du boulot là-bas. Il y est parti avec. Qu'est-ce que t'es venu faire, Maker? T'as plus de métal? D'accord, j'ai compris. Donc tu vas me chercher d'abord de l'acier, mon gars. Voilà, t'aurais été un peu con autrement. Grizzly, relaxation sociale. Ensuite, où est ma glum? Où es-tu, glum? Petite, peut-être qu'il n'y a plus de glum. Je crois qu'elle est vide, ma glum, non? Quel dommage, plus de glum. Dromadaire 2 a donné naissance. Dis-moi que c'est encore un mâle. Oh, quoi.
ce que j'ai une chance, mais quelle chance que j'ai dans ce jeu, quoi. Et un troisième mal, quoi. Eh oui, Randy Hazard. Ok, monsieur. Allez, hop, ramène-moi de l'acier, s'il te plaît. 72, c'est parfait. Bon, est-ce que... Je sais pas s'il y en a beaucoup là-bas. Mais on a déjà pas mal d'acier pour l'instant. Donc, j'ai besoin de... que les gens arrêtent de nettoyer, mais qu'ils se concentrent sur ça. Sur ça. Et vache... Allez, faites-moi des trucs. Regardez, Libellule, elle se fait draguer, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ça ne l'intéresse pas. Elle veut juste faire des clins d'œil. Ou alors, elle veut se taper le chauve. Elle veut se taper le chauve, Libellule. Elle a que ça qui l'intéresse. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Voilà, Libellule a rejeté les avances. Elle est carrément avec Decker parce qu'il est défiguré. Ça ira beaucoup mieux par après. Hein. C'est carrément un rival, quoi. Waouh. Et lui, Decker, il aime bien tout le monde, lui. Hein. Ok, on est un petit peu tranquille, pour l'instant tout se passe pas trop mal. Logiquement, vous devriez oui, t'as pas grand chose, t'as qu'un bras seulement, comme je disais. C'est un petit peu dur, hein. Eh ouais, ça vient mon gars, ça va venir. Ça va venir mon petit. Ça va venir. Pouf. Frénésie de mouvement, le chauve. Bah, et ça tombe pas bien, ça... Tu me fais quoi là en recherche? Ah, j'ai besoin de toi en recherche. Maintenant, tu serais bien un petit coup de... Hein? Quête disponible. Des moutons effrayés. Alors, qu'est-ce qu'on a de joli, les petits enfants, ici? Valence Chumnos, un gouverneur stellaire de l'Imperium Gris, vous présente une requête. Il voudrait que vous preniez soin de 4 moutons. Le Nexus parallèle, c'est chez nous, ça, pour 21 jours. Ok, il voudrait que les animaux expérimentent le monde en dehors de sa cour royale. Mais ils vont avoir chaud, hein, normalement, la laine, ça tient le chaud et le froid, mais ici, dans le jeu, non, pas trop, quoi. Une ruche mécanoïde. 2 faucheurs, silencieux et 5 piqués. Pas de problème, mec, pas de problème. Il y aura un raid de force 2 et de taille similaire. On te prend. Alors, qu'est-ce que je... Oh, je peux avoir un noyau IA. Trois composants, une Prestige Recon Armor excellent, un carburéacteur infini. C'est quoi ça? Et ça, c'est mon Dieu, les cadeaux, quoi. C'est quoi ça? Il génère du chemfuel. Ce qui me permettrait de faire des obus explosifs, donc des mortiers. Ce que je ne peux pas faire actuellement. Oh! Bouffe 300 watts. Oh! Mais ça, c'est... Bon, ça, on est quand même... On a encore le temps avant de le prendre. Qu'est-ce que c'est? Noyau IA? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un noyau d'ordinateur, de personnalité, hyper avancé, hébergeant une intelligence artificielle surhumaine. Dans son état isolé, le noyau demeure dormant, installé dans une structure adéquate, il peut devenir un esprit d'une puissance effrayante. Normalement, ça se met dans le vaisseau, ça.
Ah. Noyau central d'ordinateur de bord. Voilà, capable d'accueillir une IA surhumaine. Est-ce que c'est le même? Ah. Eh bien, écoutez, on va stopper le jeu ici. Je vais voir un petit peu sur le wiki. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi et passez, profitez du soleil qu'on n'a pas aujourd'hui. Allez, ciao!